Bonjour les nomades. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve au camping de Mankemia et on va commencer par tout d'abord voir les dauphins. Apparemment, ils sont ici. On va voir ce que ça donne, on va voir le petit spectacle et ensuite on prendra la route vers le parc national de François Perron. Alors tu peux voir les dauphins tous les matins à Mankemia à partir de 7h45 parce qu'ils les nourrissent. On retourne donc à la voiture en direction du parc de François Perron où on va devoir rouler dans du sable et voir des paysages exceptionnels je pense. Je ne t'en dis pas plus, à de suite. On vient d'arriver au Little Lagoon et là on va faire un petit vol en drone parce que vu du ciel ça a l'air magnifique. On est à l'entrée du parc et on est donc à l'étape où il faut dégonfler les pneus. Salomé, combien de pression doit-on mettre? Sur le panneau, c'est indiqué 20 PSI, mais nous on met à 18. 18, ouais, c'est bon. 18, c'est pas mal. On entre dans le parc de François Perron. C'est juste en face, regarde-moi comme c'est magnifique, quoi. On vient d'arriver au Big Lagoon et c'est vraiment magnifique ici, c'est un lieu incroyable. Donc on a déjà fait le Big Lagoon aux Philippines, cette fois-ci c'est le Big Lagoon en Australie. En fait ce qui est super beau ici c'est que l'eau est juste incroyable et à côté il y a la terre qui est plus rouge, donc ça fait des contrastes. Maintenant on va aller plutôt dans le nord vers les spots de snorkeling et aussi au Cap Perron qui est apparemment la pointe où on a une superbe vue. Voilà, la suite de notre programme. On vient tout juste d'arriver à la plage Grégory. C'est un endroit vachement sympa, on va sûrement pique-niquer ici. Et la plage est assez cool. Salomé, dis-moi qu'est-ce qu'on mange pour ce bon repas? Pour le pique-nique du jour, nous avons une salade fraîcheur avec des concombres et des tomates. On a une petite salade de riz. Et on s'est fait plaisir, on a acheté un petit camembert... Double brie? Non, du double brie mais local, australien. Avec des petites tartines, ça fera l'affaire. Là, on vient d'arriver au Cap Perron et c'est juste super super beau la vue qu'on a. On est en train de spotter des dauphins, requins, etc. Et c'est vrai qu'on a vu quelques ailerons au loin.
Donc soyez bien attentifs si vous venez y faire un tour. C'est trop marrant parce qu'il y a un spectacle d'oiseaux. Ils sont des millions sur la plage juste derrière moi. Et ils sont trop marrants, voilà. Je sais pas quel type d'oiseau c'est, mais c'est trop marrant. C'est un vrai spectacle à regarder. On a fini l'exploration de la pointe de François Perron, donc on était au Cap Perron, c'était magnifique. On a vu plein de dauphins, c'était un spectacle incroyable. Ils sont venus nous faire coucou pour le coucher de soleil, ça c'est très gentil. Donc là on est de nouveau sur la route pour rejoindre le camping, on va dormir dans le parc. À Bottle Bay, du coup, comme camping, je pense que ça annonce forcément un petit apéro. Donc on va rejoindre les potes là-bas et on va se prendre une petite bière en regardant la fin du coucher de soleil là-bas. Ça va être top. Petit kangourou. La douette, pas un kangourou, mais un... Wallaby. Parce qu'il était tout petit, j'hésitais entre un lapin et un kangourou, parce qu'on vient de voir un lapin. Mais c'était un wallaby. Où est le wallaby? Il est où?